Dans la nuit du 25 au 26 septembre 2023, nous avons des nouvelles de la part de Vertical Robots sur Twitter qui nous annonçaient la venue de leur jeu Rainmatter 1 sur PlayStation VR 2. Eh oui, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, ici Herbie, j'espère que tout le monde va bien. C'est donc une très bonne nouvelle de la part de Vertical Robots qui nous annonce la venue de Rainmatter 1 sur PlayStation VR 2 le 5 octobre 2023. Dans leur communiqué sur Twitter, nous apprenons donc que ce n'est pas un nouveau titre qui arrive, mais une amélioration gratuite du bien-aimé Rainmatter 1 qui était sorti en 2018. Donc très bonne nouvelle pour les possesseurs de la version PSVR 1, vous aurez une mise à jour gratuite pour pouvoir refaire cette aventure qui était vraiment géniale sur PlayStation VR 2. Quoi de neuf autrement par rapport à cette amélioration ? Nous aurons des textures en 4K, du contrôle remanié avec les nouvelles manettes Sense, du rendu fovéal, 90 FPS et pas de reprojection, donc on s'attend à un jeu qui va être sublime comme Rainmatter 2. Rainmatter 2 était en 120 FPS, mais on apprend sur Twitter de la part des développeurs que s'ils avaient voulu faire du 120 FPS pour Rainmatter 1, ça aurait nécessité une très grande refonte qui aurait certainement introduit des bugs, donc ils ont plutôt opté pour du 90 FPS. Et avec le rendu fovéal et la résolution interne, ça restera les mêmes que pour Rainmatter 2. Donc on va avoir un sublime jeu sur PlayStation VR 2 pour Rainmatter 1. Le trailer que vous voyez est celui de la version du PlayStation VR 1, puisque pour le moment, à l'heure actuelle où je fais la vidéo, il n'y a pas de trailer pour la version PlayStation VR 2. En tout cas, le titre était excellent, était super bien optimisé sur PSVR 1. Ça faisait partie du top de mon top 10 des jeux à faire sur le PSVR 1. Donc, sans aucun doute, avec les compétences techniques du studio, ça fera partie du top 10 également sur PlayStation VR 2. On se souvient de la version de Rainmatter 2 qui est juste énorme, graphiquement le plus beau jeu du PlayStation VR 2 du catalogue PSVR 2. Au niveau du tarif, on sera certainement sur une version à 30€, puisque le jeu Rainmatter 1 sur PSVR 1 est à 30€. Le jeu Rainmatter 2 sur PSVR 2 est à 30€. Donc pour ceux qui ne possèdent pas la version PSVR 1, eh bien, il faudra certainement débourser 30€ pour pouvoir y jouer sur PlayStation VR 2. J'espère, j'imagine qu'on aura un bundle qui regrouperont les deux jeux avec un petit discount, mais pour le moment rien d'annoncé. On verra ça le jour de la sortie du jeu. C'est donc une très bonne nouvelle de la part de Vertical Robots de nous annoncer cette version améliorée sur PSVR 2. On aurait aimé pouvoir faire le 1 avant le 2. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. En tout cas, c'est un très bon jeu d'aventure, d'énigmes à faire sur PSVR 1 et à refaire sur PlayStation VR 2. En tout cas, voilà les amis, je ne sais pas si vous étiez au courant de cette news, voilà donc qui est fait. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications, ainsi ne louper aucune vidéo qui arrivera sur la chaîne prochainement. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée, c'était Herbie, à bientôt, ciao ciao.